Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour découvrir un tout nouveau produit sorti aujourd'hui par Thrustmaster, le TLCM Pedals, le premier pédalier magnétique load cell de la marque, une attente de longue date des joueurs, et nous allons dans cette vidéo passer en revue toutes les caractéristiques de ce nouveau produit. Sachez déjà que vous allez avoir les timecodes des différentes étapes placées dans les commentaires et en incruste dans le début de cette vidéo. Alors quoi de mieux que de commencer par le déballage de ce nouveau pédalier pour vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors sachez que c'est un pédalier qui pèse plus de 5 kg, qui est vendu au prix de 199,99€ et que vous recevez dans l'emballage que j'ai eu la chance d'obtenir un peu à l'avance. Je remercie d'ailleurs Thrustmaster pour me l'avoir fourni afin de vous réaliser cette vidéo. Alors une fois qu'on déballe le package, on découvre tout de suite une planche qui vous sert en fait de kit de perçage si vous voulez placer le pédalier sur des supports un peu moins traditionnels que les sièges que l'on retrouve habituellement sur le marché, donc c'est plutôt cool. Le traditionnel guide d'utilisation qui est en français, vous l'avez également numériquement, mais Thrustmaster tient toujours à avoir cette partie disponible. Une fois ces éléments retirés, on peut accéder au plat de résistance, le pédalier en lui-même que l'on extrait de sa boîte. Alors il est plutôt bien protégé, le colis n'est pas trop lourd. On débute avec une clé Allen qui vous servira à retirer et ajuster les plaques présentes sur vos différentes pédales. Également fourni un câble qui sera un câble USB et un câble qui vous permettra de brancher directement sur les moyeux, sur les blocs des différents volants selon comment vous le branchez, puisque oui, ce pédalier est compatible PC, Xbox One et PlayStation 4, et c'est sans doute sa force. Vous avez donc fourni, je le disais, au niveau des branchements, un câble RJ45 qui vous permet donc de brancher pour les consoles à l'arrière de votre volant, donc je le disais, compatible avec les T150, T300, T300RS, TSPC, TSXW, TGT, bref, il y a tout. Si vous êtes sur PC, vous pouvez brancher en USB directement sur votre tour le pédalier, ce qui vous permet d'avoir évidemment l'avantage de le brancher avec n'importe quel volant, même d'autres marques. Les habituels supports en plastique qui vous permettent de réajuster l'angle et la hauteur du pédalier. Petite particularité, attention de ne pas les perdre lorsque vous ouvrez votre colis, il y a des petites flottes que l'on évoquera un peu plus tard. Alors une fois que l'on a déballé tous ces accessoires, il est temps de s'attaquer au pédalier en lui-même. Alors on retire les deux parties de frigolite, ou de styromousse comme on dit au Québec. Et alors plutôt classique, attention, vous voyez qu'il y a un petit morceau qui est tombé puisque, pas du pédalier je vous rassure, on a différents ressorts, ils sont au total de 6 et vous pouvez les interchanger, c'est là la particularité sur la pédale de frein, afin d'avoir une force qui peut aller jusqu'à 100 kg de pression sur le load cell. On y reviendra dans quelques instants. On continue avec la mise à nu clairement de ce pédalier. Alors on découvre tout de suite quelque chose de très similaire à ce que l'on a sur le T3 PA Pro, mais au niveau de l'architecture, car pour le reste, on est sur des composants totalement différents. Évidemment, trois pédales, embrayage, frein et accélérateur. Une plaque qui est en métal, donc toute la structure est en métal, mais vous avez surtout un cache en plastique qui protège le tout. Alors au niveau des trous qu'on a évoqués sur la plaque, le guide qui était en début de vidéo, voici les trous présents, il y en a 5, donc il y aura largement de quoi l'adapter sur PlayC, JCL et j'en passe. Donc voici les prises, vous en avez deux à l'arrière, en plus d'une petite diode et d'un point de reset, la prise USB et la prise RJ45. Voici donc à quoi ressemble ce pédalier TLCM load cell, le donc premier pédalier de la marque, qui est esthétiquement plutôt réussi. Alors effectivement, il peut avoir un aspect plastique, mais dites-vous que le plastique, c'est plus facile à entretenir parfois que le métal. En tout cas, pour sa structure et sa solidité, le plastique n'est là que pour couvrir les éléments. Sachez que toute la partie intérieure est évidemment en métal et solide. Vous savez que je ne suis pas du format d'un enfant de cœur, et quand il faut appuyer sur la pédale de frein, j'y vais de toutes mes forces, et c'est là que l'on voit que vraiment on est sur une structure en métal. Petit insert pour vous montrer que vous pouvez bien évidemment régler les pédales, que ce soit en largeur, les écarter, en hauteur, etc. En profondeur et en angle aussi, avec les petites cales en plastique que je vous ai montrées un petit peu plus tôt. Alors, un petit insert qui fera plaisir à notre ami David de chez Monsimu. C'est ici le Revo 2019 qui est présenté. Voici comment on passe le pédalier pour le placer dans le playseat. Alors évidemment, il faut réajuster la hauteur, etc. Mais vous voyez que ça se glisse assez facilement. Évidemment, métal contre métal, voilà ce que cela donne. Mais le pédalier s'installe à une position assez naturelle de manière initiale. Mais par rapport à ce que j'avais avant, un pédalier que vous connaissez bien, cela change. Si vous passez d'un T3 PA à celui-ci, vous n'aurez pas beaucoup à
changer d'angle au niveau de vos playsites. Par contre, ce que je tenais à vous préciser, c'est ce tableau qui vous montre les spécificités de branchement lorsque vous êtes sur console ou sur PC, avec soit un kit de 12 bits sur console ou de 16 bits en USB. Voici les modèles compatibles parmi le haut de gamme, mais comme je le disais tout à l'heure, d'autres le sont également. Vous avez la liste entière en description. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu l'entièreté de ce qu'était ce nouveau pédalier Lotsel, on va s'intéresser eh bien, au cœur de ce produit, à savoir sa pédale de frein, qui est donc désormais équipée de ressorts ajustables. C'est là sans doute la plus grande évolution avec le Lotsel. Donc le Lotsel, je rappelle, c'est la capacité à avoir plus de degrés de proportion de progression dans le potentiomètre du pédalier. Donc je le disais, 16 bits de résolution sur PC et 12 bits lorsqu'il est le pédalier est branché sur console. Sachez donc qu'il est compatible avec, je le disais, donc TGT, T300, T150, TSXW, TX et TMX. Donc quel que soit votre produit Thrustmaster, il fonctionne. Vous avez évidemment la possibilité donc de changer les ressorts pour ajuster la dureté. Vous en avez 6 qui vous sont proposés. Voici ce avec quoi je roule personnellement. Alors vous voyez que pour le retirer, c'est assez simple. Attention tout de même à vos doigts, ça demande un petit peu de graisse. Alors on retire le dessus et on enlève le kit complet et voici le Lotsel qui est à nu. Attention de ne pas trop le manipuler parce que ça reste quelque chose de fragile lorsqu'il n'est pas maintenu. On place donc le premier ressort. Celui-ci est rouge, il est au niveau 30, c'est le plus dur fourni. Vous avez les petites capsules en plastique qui se mettent avec le ressort intermédiaire. Faites attention, lorsque vous placez les ressorts rouges, vous devez utiliser les deux petites capsules qui sont fournis avec les traits rouges. Donc là, vous avez la dureté la plus importante proposée par ce pédalier. Je vous mets un schéma qui vous indique les différentes duretés des uns et des autres au niveau des ressorts. Voilà, là vous êtes au maximum. D'ailleurs, c'est un peu compliqué de le replacer et vous avez une course de pédale qui est identique à celle de base mais qui est beaucoup plus dure. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est que l'on peut jouer et trouver le pédalier qui va correspondre à ce avec quoi on roule. Si vous faites de la Porsche Cup sur iRacing, si vous faites du rallye, si vous faites de la monoplace, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins. Et c'est ici que le cœur du pédalier trouve tout son intérêt. Vous allez pouvoir donc changer les ressorts et le mettre plus ou moins mou au début ou en fin de progression si vous êtes au niveau de votre jeu favori capable de freiner plus de manière progressive, dégressive, bref. Petit point important, lorsque vous changez les ressorts, vous avez les petites flottes que l'on a trouvées au début du déballage. Celle-ci se place à l'intérieur du ressort intermédiaire et vous permet en fait de réduire le point de saturation, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 100% de progression, vous allez plus vite atteindre le maximum et la pédale sera bloquée. Ça empêche de compresser tout simplement les ressorts de manière trop importante. Alors ici on est sur le ressort noir et gris qui donne normalement un taux de 45 au lieu des 60 maximum possible. Et vous avez cette partie-là et regardez, la progression est un petit peu différente et plus facile surtout que ce que l'on avait avec les deux ressorts rouges. Si vous branchez ce pédalier sur votre ordinateur, vous allez donc avoir la possibilité de le calibrer, soit par la force, le point minimum, le point de saturation, la linéarité. Tout se tient dans un petit programme qui est donc fourni par le site de support Thrustmaster ou en téléchargement. Vous avez les liens fournis également normalement au moment de la sortie de cette vidéo sur les sites officiels de Thrustmaster. Alors, vous pouvez le calibrer comme vous le souhaitez et si jamais vous avez un problème, eh bien vous remettez à zéro. Vous avez donc, comme je le disais, la possibilité de modifier le point de saturation et si vous souhaitez sauvegarder, vous débranchez la prise USB, vous la rebranchez et vous allez sauvegarder de cette manière. Alors voici le pédalier installé, bon c'est une utilisation assez sommaire, vous en doutez bien, mais ça ne bouge pas. Alors vous allez constater, regardez bien au pied de la pédale de frein, le plastique bouge un petit peu et pourtant j'y vais à fond au niveau du freinage, mais ce qui bouge c'est le plastique de protection. L'armature en métal en dessous ne bouge pas, c'est-à-dire que quand j'éclate mon pied sur la pédale de frein, j'ai une progression qui s'arrête bien au moment où je suis à fond du potentiomètre, donc il n'y a pas de problème de saturation ou de plis ou de mouvement supplémentaire. Alors ce pédalier est-il intéressant? Je l'ai depuis maintenant 2 semaines en utilisation, je l'ai notamment utilisé sur des jeux comme WRC8, Assetto Corsa Competition et surtout F1 2019 puisque je tourne ma carrière avec ce produit. Pas de problème de reconnaissance jusque là, en tout cas les versions bêta des programmes étaient plutôt bien supportées. Pour le reste, eh bien, c'est un pédalier qui se classe non pas au niveau d'un pédalier qu'on peut retrouver comme un V2.5 ou un V3 chez Fanatec, on est ici sur le haut de gamme
de Thrustmaster. C'est la seule ambition de ce pédalier qui se classe au niveau eh bien, des produits, que ce soit le TGT, le TSXW ou le TSPC Racer, c'est-à-dire pour ceux qui ont besoin d'un peu plus. J'ai évidemment testé ce pédalier également sur PlayStation 4 avec Gran Turismo Sport. Au niveau setup de base du pédalier, évidemment, les ressentis étaient bien meilleurs, surtout au niveau du retour de la pédale de frein, que sur d'autres pédaliers que j'ai pu tester sur PS4. Alors voilà pour le tour d'horizon de ce produit. Il y aura une autre vidéo qui sortira d'ici quelques jours. Je vous laisse vous faire votre avis. Vous avez toutes les informations nécessaires disponibles dans la description. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette découverte. Je trouve le pédalier évidemment très intéressant. Il faut le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire à haut de gamme Thrustmaster et non pas un concurrent d'autres produits du marché. J'espère vous avoir éclairé sur les caractéristiques de ce produit. Je vous remets à la description pour y trouver un maximum d'informations et la section commentaires, bien sûr, si vous voulez que je réponde à vos questions si jamais quelque chose n'est pas clair. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la découverte de ce TLCM Pedals Loadcell et Magnetic, le nouveau pédalier, enfin un pédalier Loadcell chez Thrustmaster. Évidemment, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste. N'hésitez pas à liker, partager, c'est important, cette vidéo, et vous abonner bien sûr pour toujours plus de contenu Sim Racing. A très bientôt, au revoir.